Salut à tous, bon aujourd'hui c'est semi de blé. Alors pour ça je vais vous montrer l'ensemble. Donc le tasse à vent artisanal modifié que ça fait un an l'année dernière avec le rouleau Matrix. Le TM175 jumé à l'arrière. Et pour finir le Smoir Amazon, le Air Star. Bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à mon hangar pour charger la semence, régler, et ensuite je vous retrouve dans le champ. Comme vous pouvez le voir derrière moi, donc je viens de faire quelques tours, je viens de faire exactement 2 tours pour arriver donc jusqu'à ici à mon passage de traitement de pulvérisateur. Alors voilà un peu le rendu. Donc là on se trouve donc derrière le maïs en sillage qui a été ensuyé il y a un peu plus d'un mois maintenant. Bon, il y a toujours des résidus de canne et comme là-bas vous pouvez le voir juste ici, quelques graines, ça nourrira les pigeons. Ça évitera qu'ils viennent manger le grain. Donc, on va essayer de trouver un grain, voir où c'est qu'il est enterré. Là. Donc ici, il y en a quelques-uns ici. Bon, ils sont enterrés à 2-3 cm. Certains ne sont pas recouverts, c'est normal, c'est parce que
on a retiré les herses à l'arrière, on les a pas retirées, on les a relevées. Parce qu'avec les cannes de maïs, ça aurait fait effet une lame de bulldozer et ça aurait tout tiré, ça aurait fait un chantier pas possible. Bon, c'est encore assez frais en dessous. Bon, il n'y a plus 4 mm donc la veille que je sème. Et derrière, un coup de rasol à 15 cm plus un coup de bonnelle de rafale de déchaumeur à pâte d'eau superficielle pour reniveler un peu tout le terrain d'aplomb. Ça fait mou. Bon allez, moi je vais continuer à semer, vous faire quelques vidéos et on se retrouve après. Alors comme vous pouvez le voir là sur le tableau de bord, donc j'avance à une vitesse de 7 km/h à un régime de prise de force d'à peu près 800 tours minute. Et en surface pour l'instant dans la parcelle, j'en suis à 2,67 hectares pour une vitesse d'un débit de chantier d'à peu près entre 2,6 et 2,8 km/h. Bon, je prends mon temps, de toute façon, à chaque fois que je vais aller trop vite, il m'arrive que des merdes. Donc je préfère mieux prendre mon temps, rouler tranquillement. Le temps ne se gâte pas, il n'est pas pressé, donc c'est bon. Donc ensuite, comme indicateur, donc je sais pas si vous allez bien voir, donc là il y a plusieurs chiffres dessus. Donc déjà la petite boule ici qui clignote avec la flèche, c'est pour me dire comme quoi que l'entraînement de la roue squelette qui fait le mécanisme des chutes fonctionne. Ensuite, vous voyez une petite flèche ici, ça signifie que le traceur gauche est descendu. Ensuite, le chiffre 2.0, il me semble, je ne veux pas dire de conneries, je ne m'en rappelle plus, mais il me semble que c'est les impulsions électriques au niveau du capteur de la boîte de vitesse du smoir. Et ensuite, le dernier chiffre que vous voyez ici, qui correspond au nombre rendu du passage pour la fréquence pour tracer mes lignes de pulvérisation. Donc étant donné que je sème en 4 mètres et que je traite en 28 mètres, c'est-à-dire que toutes les 7 mètres, je vais fermer les descentes qui se trouvent juste derrière les roues. Donc là, comme vous avez pu le voir, je suis rendu au quatrième. Donc il me reste 3 passées complètes à faire. Et la quatrième, la dernière, je fermerai à l'aide du gros ressort que vous voyez en dessous de la tête de distribution, qui va me faire descendre mes deux disques à l'arrière. Et ensuite, le dernier chiffre que vous voyez ici, c'est la vitesse de rotation de la turbine de la soufflerie. Donc voilà, donc là je peux tourner à peu près à 3500 tours minute. Bon allez, je vais continuer puis je vous retrouve après. Comme vous pouvez le voir devant vous, donc là-bas j'ai recommencé à ressemer le long du régras que vous avez pu voir en vidéo. Alors, la simple et bonne raison, c'est que le champ, donc il faisait 4 hectares à 20, 25, il mesure 105 mètres de large pour 400 mètres de long, donc ça fait 1 hectare 20, 4 hectares 20.
Donc je recommence là, c'est parce que je vais avoir deux passées de tonneau, trois passées de tonneau pardon, complètes, donc de 28 mètres, plus une passée où c'est que je vais devoir fermer 7 mètres. Donc si je pouvais continuer à semer à partir de l'autre là-bas, je saurais à peu près où serait mon passage de pluvée. Mais là, je repars donc, contre le régras, comme ça je fais mon passage, ma passée complète de pluvée contre le régras et j'aurai juste à fermer à la passer juste après. J'aurais besoin de fermer 7 mètres. Bon, comme vous pouvez le voir, il me reste un petit hectare à semer à peu près. Donc je vais continuer à semer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À vous abonner, à me suivre. Et puis moi, je vous donne à une très prochaine vidéo pour la suite des semis des betteraves et d'autres travaux sur l'exploitation des semis, pardon, de blé, parce que betteraves à cette époque-là, ça va pas vraiment bien le faire. Donc deux semis de blé, les travaux d'arrachage de betteraves et de labour. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!